ÉcoTV, votre émission écologique présentée par la MCB à travers l'initiative 175 en faveur du développement durable. ÉcoTV, avec le soutien de Omnicane Integrating Energies. ÉcoTV, avec la participation du Mead Commission et du Fonds Maurice Île Durable pour une île Maurice où il fait bon vivre. Coucou, bienvenue dans l'émission émission écologique ÉcoTV. Aujourd'hui, nous causons l'avantage de l'ampoule fluo compacte comparée avec l'ampoule incandescent et comment dispose une ampoule qui ne casse. Comparé à une ampoule incandescent, une ampoule fluo-compacte plus écologique. Qui faire? Parce qu'une ampoule incandescent lui servit plus courant, sa durée de vie plus courte et qu'il a plus risque qu'il brille. Avec une lampe fluo-compacte de 11 watts, ou capable de produire la même quantité d'éclairage qu'une ampoule incandescent de 40 à 60 watts, et que sa durée lui est 6 à 10 fois supérieure. Alors choix là, il est clair, non? Un petit rappel, vous trouvez une ampoule là facilement dans un supermarché et magasin bricolage ou même dans une quincaillerie. Pas oublier toujours, choisir une ampoule qui a une faible émission ultraviolet. Faites bien attention, quand vous installez ben la lampe, pas casser parce que ça va l'ampoule fluo compact là contenir un petit guide mercure qui est capable d'empoisonner quand on est en contact direct avec le produit là. Comment faire pour ramasser une ampoule qui ne casse? Avant tout, s'il est dans une place fermée, ouvrez la porte et la fenêtre pour aérer la salle pour éviter qu'il vous respire mais qu'il est là. Ensuite, vous mettez une paire de gants qui jetables de préférence pour ramasser le bout de cassé là. Il déconseillé servi baguette. Comme fini, mettez tout paire les gants ensemble dans sac plastique là et attachez-les bien et finalement, jetez-les dans la poubelle des. Action là, il est simple. Adoptez une ampoule fluo compacte pour diminuer CO2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Ciao. ÉcoTV, votre émission écologique présentée par la MCB à travers l'initiative 175 en faveur du développement durable. ÉcoTV, avec le soutien de Omnicane Integrating Energies. ÉcoTV, avec la participation du Mead Commission et du Fonds Maurice Île Durable pour une île Maurice où il fait bon vivre.